Une nature sauvage et verdoyante. Des cascades qui jaillissent des flancs de la colline, un lieu magique et mystérieux. Ici, tout invite à la quiétude, au calme et à la sérénité. Sommes-nous sur l'île déserte de Robinson ou égarés dans une jungle inconnue? Non, nous sommes en Corrèze, à Gimel, un petit village pittoresque qui domine la vallée de la Montagne. C'est là, à 12 km au nord-ouest de Tulle, que l'on trouve l'un des plus beaux sites naturels de la région, les cascades de Gimel. Trois chutes successives de la rivière La Montagne, le Grand Saut, 45 mètres, la Redole, 38 mètres, et enfin la Queue de Cheval, 60 mètres. La nature a toujours inspiré les artistes. On trouve à Gimel une demi-douzaine d'artisans. Dès l'entrée du village, le peintre Jean-Pierre Val, 80 ans. Il s'adonne à sa passion depuis 20 ans. Jean-Pierre a attrapé le virus de la peinture en visitant une exposition en Bretagne. Ses peintures figuratives à l'huile représentent des paysages, la nature ou encore l'océan. Anciennement, j'étais garagiste. Je découvre la peinture, ça fait 15 ans. Vraiment une passion. J'étais parti à Pornic à regarder un peintre qui s'appelle d'ailleurs Monsieur Duchamp, qui est décédé maintenant. Ça m'a donné le déclic. Je me disais, bon sang, tu peux faire ça. Et maintenant, j'ai développé ça. Je fais des toiles où je passe vraiment des heures mémorables. C'est extraordinaire. Les gens qui viennent sur Gimel, ils veulent voir de l'artisanat. Ils veulent voir ce que vous préparez, ce que vous faites. Vous allez voir du travail de bois, des petits bijoux dans le village. Des trucs qui sont très très intéressants. Et depuis qu'on fait partie de la nouvelle grande région, on découvre vraiment beaucoup de Bordelais. Je suis un peu surpris d'ailleurs, mais en fait, c'est un bien pour nous de toute manière, hein. Et pour eux aussi, parce qu'ils découvrent des régions qui ne connaissaient pas. Fanchon Boisserie et Perliardard. Elle travaille le verre pour fabriquer ses bijoux. Depuis 3 ans, elle est de retour ici à Gimel, où elle a passé son adolescence. Je suis spécialisée dans les perles de verre au chalumeau. Je travaille avec des baguettes de verre de Murano, qui sont déjà teintées dans la masse, colorées avec des oxydes de métaux. Et j'ai donc une palette pour fabriquer mes perles, selon une technique très proche du verre filé. Au chalumeau. Je travaille entre 950 et 1100 degrés et ensuite je recuis mes perles pour les laisser refroidir tout doucement et éviter les chocs thermiques. Une fois les perles réalisées, je les monte en bijoux au gré de mon inspiration. Ici, on trouve un lieu déjà très inspirant pour la création parce qu'on est vraiment dans un écrin de nature. Et c'est un village agréable à vivre. D'ailleurs, plusieurs artisans sont venus s'installer ici depuis maintenant une trentaine d'années. Comparé à la Dordogne, par exemple, on n'a pas tout l'attrait touristique de la préhistoire, enfin du moins à ce point-là, ou des châteaux. Après, il y a du monde quand même, hein, mais c'est vraiment des amoureux de la nature qui viennent dans la région. On a des automnes magnifiques, avec beaucoup d'essences d'arbres. La vallée est vraiment vivante et la nature est très changeante. C'est quand même très apaisant de vivre dans un endroit où on a un autre rythme de toute façon que dans les grandes villes, ça c'est sûr. Du monde à Gimel. Des touristes bien sûr, mais aussi Robert, la mémoire du village. La vie est agréable parce que on est au calme. On a du beau temps ces jours-ci, c'est parfait, on a un soleil magnifique. Les populations se renouvellent. Moi je fais partie des vieux maintenant. Hein. Il y a pas mal de jeunes, heureusement,
pour renouveler la population. Ça fait vivre les écoles. Nous avons quand même deux écoles ici. C'est un site qui est très joli. En plus, bon, c'est des cascades qui font environ 143 mètres d'eau, les trois cascades réunies. C'est un très joli coin d'après. Moi, je suis là souvent sur le pas de porte. Je n'ai que des compliments des touristes qui passent, qu'on a un si beau village, une belle église, etc. etc. Et c'est vrai que bon, nous on est habitués, mais bon, c'est quand même... La Corrèze est très jolie. Ah, les cloches de... Et c'est vraiment... C'est beau, c'est à voir, c'est vraiment magnifique. C'est très reposant. Avec le bruit de l'eau, c'est vraiment une très 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 belle région, magnifique, plein de choses à voir. On y mange bien, on y boit bien.